de jour qui pointe à l'horizon, la ferme lentement se réveille. C'est le début de l'aube et le début du printemps. L'homme commence sa journée de labeur et la terre commence la saison du travail, même si l'un et l'autre ont encore envie de dormir. Il faut que le premier sillon soit tracé bien droit, car les sillons suivants dépendent de ce premier effort de rectitude. Le laboureur fixe son regard sur le point vers lequel il marche, et parfois, il se retourne pour voir d'où il vient. Toute sa vie tient ainsi dans son champ. Oui.
Culture de champs limitée dans un pays de population dense exige de la terre un rendement intensif. Il faut bien nourrir le sol pour qu'à son tour il puisse bien nourrir la semence. On rend donc à la terre une partie de ce qu'on a tiré d'elle sous la forme de fumier d'étable complété par l'engrais et le purin. Un petit paysan ne dispose que d'un seul bœuf pour un labour trop dur, il s'entend avec un autre petit paysan. Ils se prêtent et se rendent mutuellement le bœuf et le travail. Tout comme l'homme de mer, le paysan observe les nuages, le vent et les brumes. Son sort dépend du ciel. Il doit prendre des décisions rapides, car il est lié au temps qu'il fait, élément instable sur la stabilité des champs. La chaux est nécessaire à la constitution des plantes, tout comme à la constitution des enfants. Il arrive aussi que la terre souffre d'acidité. Elle est alors guérie par la chaux, qui est pour elle comme le bicarbonate de soude pour nous. Pour mettre les champs à même de recevoir la semence, pour permettre aux plantes naissantes d'y loger leurs racines fragiles, de s'y nourrir, la terre doit être ameublie et débarrassée de toute mauvaise herbe. Le fumier doit y être enfoncé par le labour, puis le sol est égalisé, déchiré, griffé par les roulages, extirpages et herçages successifs. Grâce au travail de l'homme, la folle avoine, maigre plante sauvage, est devenue cette céréale améliorée et sélectionnée, nourriture nécessaire aux chevaux, nourriture humaine aussi sous forme de gruau. C'est de la main du semeur que la terre reçoit les germes de vie. Soutenue par le vent, son geste est rythmé sur la cadence de son pas. Cependant, dès que l'étendue d'un champ le permet, le semoir mécanique est substitué au semeur. En effet, la distribution des semences est meilleure. Il enfouit en petits sillons réguliers, à des distances parallèles et à des profondeurs égales, avoine, seigle, froment, et même des semences minuscules comme navets, trèfles et colza. Mais les pommes de terre sont encore souvent déposées à la main. Besogne de femme, dure besogne. Mais sans une femme experte et vaillante, le meilleur paysan n'arrive pas à tirer fruit de son labeur. Yeah.
Chaque petite semence de betterave donne naissance à une grosse betterave feuillue, pleine de sucre et de sève. Mais il faut prévoir une forte fumure. La jument porte son poulain pendant 11 mois. Pendant tout ce temps, la jument a été choyée et mieux nourrie, tout comme la terre dont on veut obtenir une belle moisson. Maintenant, après la longue attente, on est au terme. Tout s'est bien passé, un poulain vigoureux, une bonne mère, bien pourvue de lait. Mais de même que pour un champ verdoyant, l'orage peut tout gâter. Les paysans craignent les coliques auxquelles le petit animal est plus sensible encore que les grands chevaux. Un poulain qui meurt, c'est grave pour le cultivateur modeste. Capital, espoir de remplacer un cheval trop vieux, peine, soin, tout est perdu.
Les naissances se succèdent au printemps. Dans les champs, les petites graines poussent et la truie a mis au monde une douzaine de porcelets. Pourquoi ce chamaille-t-il? Chaque porcelet a sa place fixée une fois pour toutes, même s'il est vrai que les mamelles antérieures de la truie sécrètent le lait le plus abondant. Canetons et oisons se ressemblent. Mais rien au monde n'empêchera qu'en grandissant, les uns ne deviennent des canards et les autres des oies. Quant à l'agneau, tout naïf qu'il soit, il sait qu'en donnant des coups de tête dans le pied de sa mère, il active la descente du lait objet de sa convoitise. C'est au bout de 9 mois que le veau ouvre à la lumière ses yeux innocents. Le vêlage est douloureux, souvent malaisé. Il exige beaucoup de soins. Le printemps a pénétré dans l'étable. Est-ce l'odeur de l'herbe fraîche qui fait ainsi mugir les bêtes? Avoir passé de longs mois, le cou pris dans un collier, étroitement enchaîné, et maintenant la liberté dans le grand pré, l'herbe neuve, le vent, le soleil. Fermier dont le poulain est mort, la joie du printemps n'est pas complète. Il voit vivre le poulain du voisin. Le sien serait aussi grand que cela, et certainement plus beau encore. Thank you.
la toilette des arbres leur est aussi utile que la tonte aux brebis. Ne faut-il pas les aider à se dégager, à s'élancer vers le ciel? La sève monte, réveillée par le soleil. Printemps, saison de naissance. L'herbe, les poussins, les agneaux, les bourgeons, mais aussi les fleurs, délicates et charmantes parures des vergers et des grasses prairies. L'osier, le souple osier, se met aussi au travail. Et voici que naissent les chatons. Le cerisier, tout rugueux et bosselé, gonfle de sucre et de sève ses bourgeons ternes et durs. Le poirier lui répond. C'est à qui ouvrira au plus vite les bourgeons et dépliera le plus tôt ses corolles. Dans cette course de vitesse, le cerisier gagne, mais le poirier se rattrapera sur la grosseur des fruits. Chaque bourgeon ressemble à un insecte dont les ailes sont en train de pousser. Les anges de la procession ont repris leurs ailes aujourd'hui. Ils deviennent les anges gardiens des enfants dont on célèbre la communion solennelle. Printemps de la vie, dans le printemps de la nature, l'enfance émerveillée s'épanouit dans cette journée de fête et de foi. Cependant, le soleil rayonne de plus en plus haut et de plus en plus longtemps dans le ciel. Dès les temps les plus reculés, son apogée, le solstice d'été, ou Saint-Jean, a été célébré par des réjouissances. Des feux étaient allumés, non pas en l'honneur d'une divinité quelconque, mais en signe de gratitude pour les bienfaits que les hommes reçoivent du feu sous son double aspect de l'astre solaire et du foyer terrestre. Ces usages se sont peu à peu effacés, mais il n'y a pas longtemps, dans certains villages ardennais, les jeunes gens laissaient descendre du sommet d'une colline une roue de charrette emmaillotée de paille enflammée. Des vestiges de coutumes similaires se retrouvent dans certains villages de la Flandre, de Bavière, d'Alsace, du Poitou et de Scandinavie. Pour le paysan, si le soleil luit pour tout le monde, c'est cependant un don personnel que lui fait le bon Dieu. Pour le paysan, l'action solaire est directe, immédiate, tangible. Après avoir vaincu la neige et la gelée, le soleil réveille la terre, fait
fait éclater les bourgeons, reverdit les pâturages, vivifie les plantes. Grâce au soleil, les blés prospèrent et les animaux se nourrissent. Sans le soleil, tout l'énorme effort des paysans reste stérile. Du soleil dépend non seulement la chaleur, mais aussi la pluie. Car le beau temps ne suffit pas, il faut encore qu'il pleuve à point nommé. Le soleil, le beau soleil de la Saint-Jean, vient clore avec éclat le grand travail du printemps. D'un beau jour d'été se mêlent aux arbres, jouent parmi les troncs, glissent sur le sol, tandis que des reflets de verdure descendent sur la rivière et caressent l'eau. Le soleil imprègne la terre qui livrera ainsi des sucs généreux aux racines. Rayonnante clarté du soleil déverse joie et santé aux animaux. Elle leur est aussi indispensable que la nourriture. Ils se gorgent de lumière. Dans la chaleur de l'été, les animaux nuisibles tracassent les bestiaux. Les cochons adorent le soleil et la propreté. Mais ils sont souvent mal soignés. Et ils se vautrent dans la fange pour se débarrasser de leur poux. Grâce à l'action du soleil sur leurs feuilles, nourries d'air et d'eau, les betteraves élaborent du sucre qui s'accumule dans leurs racines. Quelques semaines après la germination, on éclaircit les rangées de betteraves pour leur donner de l'espace. On arrache les plantes les plus faibles, en s'efforçant de ne laisser en place que des plantes vigoureuses. On donne à ce travail le nom pittoresque de démariage, puisque les betteraves veulent vivre isolées. Les travaux des champs sont durs, mais on ignore généralement la minutie et la précision qu'ils exigent du paysan. Les belles récoltes ne s'obtiennent qu'en accomplissant une longue suite d'opérations, dont une seule, mal effectuée, peut compromettre le résultat final. En été, les paysans se lèvent à 4 heures du matin et ils travaillent jusqu'à la tombée de la nuit. La sieste leur est nécessaire après le repas.
Afin de favoriser la formation de tubercules de pommes de terre qui se développent au pied de la plante, on couvre celui-ci d'un peu de terre, ce qui s'appelle le butage. Autrefois, une mauvaise récolte de céréales provoquait la famine. La pomme de terre, depuis 3 siècles qu'on la cultive chez nous, obvie à ce danger. Si chardons et ivraies parviennent souvent à envahir les céréales, les feuillages épais et ombreux des pommes de terre aident l'homme à combattre les mauvaises herbes en les étouffant. Mais des maladies les menacent. On les combat préventivement en projetant sur les plantes une bouillie de sel de cuivre. Mais si la pluie vient en laver les feuilles, il faut autant de fois recommencer le traitement. Cette dévastation est causée par un redoutable ennemi de la pomme de terre, le mildiou. S'il s'installe, c'en est fait du champ triomphant, des fleurettes blanches, de l'épais feuillage, de la lourde récolte. Le mildiou est occasionné par un champignon minuscule qui se développe au détriment des feuilles. Le vent dissémine ses spores, sorte de semences, propageant ainsi la maladie, surtout par temps humide et chaud. Le doryphore, originaire du Colorado, est apparu chez nous depuis une 20aine d'années. Il est jaune, avec 10 raies noires. Dès que la température s'adoucit, il quitte le sol où il a hiverné, prend son vol et se met à dévorer le feuillage. La plante privée de feuillage est comme un homme sans estomac, elle meurt et le développement des tubercules est arrêté. Les larves d'un rouge vineux sont douées d'un appétit terrible. Le pulvérisateur les combat au moyen d'arsenic. Quand juin s'épanouit en splendeur lumineuse, on commence la fenaison. Les dents de la faucheuse, soigneusement aiguisées, sont prêtes à mordre l'herbe haute. Le foin, fauché au moment de la floraison des prés, sera le plus nutritif, surtout pour les vaches laitières, et l'herbe repoussera vigoureusement. Le fauchage semble aisé. Pourtant, 2 forts chevaux y dépensent toute leur force. Au moindre obstacle, il faut examiner ce qui arrête. Un nid de mulots. Guerre aux mulots, lapins et campagnols. Dévastateurs de cultures, cambrioleurs de greniers. Les petits cultivateurs sont bien obligés de faucher à bras. Mais il faut plusieurs années pour acquérir l'habileté de couper bien ras, bien régulièrement, sans rien gâcher ni perdre. Le faucheur met 3 jours à couper 1 hectare. La faucheuse mécanique, 3 heures. Tant que le soleil luira, on fanera. Faner, c'est aérer, agiter, retourner l'herbe. Jusqu'à ce que le foin parfaitement sec ne risque plus de s'échauffer ou de se gâter lorsqu'il sera mis en meule ou en grangée. La faneuse mécanique accomplit au moyen d'une série de fourches et 10 fois plus vite le travail de l'homme qui fane avec une fourche unique. Gare à la brume du soir, à la rosée du matin. Dès la tombée du jour, on tassera le foin en petites meules, faciles à éparpiller le lendemain s'il fait beau. Cependant, le fermier guette sans cesse le ciel, et si la pluie menace, on remettra immédiatement en tas tout le foin à peine étalé. Faire, défaire, refaire, voilà le fanage. On utilise parfois des chevalets qui favorisent l'aération des melons et en assurent un séchage rapide, même après la pluie, et alors le soleil agira plus vite. Thank you.
si l'on ne possède qu'un âne, une chèvre ou des lapins, il faut pour les nourrir en hiver le foin, réserve de soleil et d'herbage. De l'éclatante lumière de juin à l'ombre odorante des fenis. Ceux-ci sont disposés à proximité des étables et des écuries afin de nourrir plus aisément les bestiaux durant l'hiver, car la quantité d'herbe sèche qui sera consommée jusqu'au printemps suivant est énorme. Juillet, brûlant et orageux, mûrit les épis des céréales et mûrit la semence des chardons, contre lesquels les paysans mènent une lutte acharnée. L'orge, au reflet de soie, nous offre la bonne bière. Ses épis sont garnis de barbe. Le seigle donne un pain foncé plein de saveur. Le froment est par excellence la céréale des peuples de race blanche. Il n'existe pas de froment sauvage. Là où l'on trouve du froment, il y a de l'homme. L'avoine nourrit les chevaux et nous livre le gruau. Favorable aux prés récemment fauchés et à d'autres cultures, retardera le travail de la moisson. C'est toujours ainsi. Ce qui est bon pour telle culture nuit à telle autre. Les vieux paysans le savent bien. Abîmés par l'orage, la récolte tout entière doit se faire à bras d'homme, puisque les épis couchés font obstacle au travail de la machine. Le grand travail de la moisson commence. Avant de mettre la moissonneuse en mouvement, on lui trace un chemin d'accès fauché à la sappe, qui est une faux munie d'un manche court. Thank you.
la terre nue de l'automne dernier, le travail humain, joint au soleil et à la pluie, a tiré cette beauté parfaite. Afin que de la semence confiée au sol de novembre naisse le pain, il a fallu 10 mois d'efforts constants. Les moulinets de la moissonneuse lieuse tournent à niveau des épis et rabattent les tiges vers la barre de coupe. Les tiges, coupées à ras du sol, tombent sur une toile roulante qui les élève vers la table de liage où elles sont pressées en gerbes régulières puis liées au moyen d'une ficelle. L'appareil lieur de la moissonneuse lieuse est une merveille de mécanique. La ficelle, qui sert à lier les gerbes, est fabriquée ordinairement en fibre de sisal, sorte d'agave des pays chauds. Afin de profiter du temps favorable, les moissonneurs travailleront jusqu'au soir, et peut-être même jusque bien avant dans la nuit. Une période d'averse est toujours à craindre. Le dressage des gerbes en 10 os demande de l'habileté, car il faut qu'elles tiennent, même s'il y a du vent. On coupe en effet les céréales avant leur complète maturité, afin d'éviter que le grain n'en tombe au moment où la moissonneuse couche les épis. Une fois en 10 os, le blé ne craint plus la pluie intermittente, mais par certaines années très humides, le grain, à force d'être mouillé, germe dans les épis. Les 10 os se couvrent de verdure et la récolte est perdue. Les 10 os, massés en rangs serrés, ont séché. Et déjà la terre labourée entre les rangées de gerbes est prête à recevoir les semences d'une seconde culture, navets, carottes, plantes fourragères, etc. La terre ne se repose jamais. Pour pouvoir ramener en grange ces belles gerbes lourdes de grains, que de peines et d'inquiétudes. Depuis 10 mois, la sécheresse, la pluie ou les parasites pouvaient à tout moment rendre vain tant d'efforts. Chaque gerbe est placée tête à l'intérieur du char, afin que les chaos ne fassent pas se perdre les précieux grains. Un tel chargement exige de la précision,
Il faut assurer l'équilibre de cette masse énorme pour qu'elle ne verse pas en chemin. L'avoine est la dernière à mûrir des quatre céréales. Quand elle est engrangée, la moisson est terminée. Et il semble qu'un grand soupir d'air traverse les campagnes. Mais le fermier doit déjà former des projets pour la saison suivante. La succession des semis ou assolements est très importante. Conduire le grain au moulin, voilà la dernière étape de la route du pain. Maintenant, que la saison avance, que l'été décline, que la nuit gagne sur le jour, que les aurores se glacent de rosée, que les nuages s'accumulent, que les vents se lèvent, les champs recevront leurs semences, les animaux auront leur provende, les hommes auront du pain, le moulin tournera. Ciel, ta pluie peut tomber. D'été offrent chaque année les mêmes plaisirs attendus et souhaités. L'heure de la messe amène à l'église les familles paysannes des environs, après quoi chacun pourra s'adonner à ses plaisirs favoris. Se reposa le septième. Mais le paysan, lui, n'oublie jamais son champ, pas même le dimanche.
Il met ses loisirs à profit pour examiner de près ses cultures et fait parfois de vilaines découvertes. Un mal dépisté à temps peut être enrayé. Dès demain, il s'agit de pulvériser à fond ce champ de pommes de terre envahi par les doryphores. Aujourd'hui encore, presque tous les villages ont leur gilde d'archers tirant à la cible ou à la perche. Les oiseaux ou papegaies sont fixés à la perche. Le principal orne la pointe extrême. Les papegaies latéraux prennent place sur la fourche et plus bas, plusieurs oiseaux plus petits frissonnent au vent. Qui tire le papegaie est roi pour un an. Et les papegaies latéraux donnent le titre de courtisan. Qui est trois fois roi devient empereur. Les premières gildes d'archers ou grands serments, ayant pour patron Saint-Sébastien ou Saint-Georges, existaient dès le XIIIe siècle. Les tireurs à l'arc formaient le corps des archers dans les milices communales du Moyen-Âge. Le goût ingénu de la musique doit être impérieux pour que tant de travailleurs y consacrent leurs loisirs. Nul bien sans peine. Et pour le chef d'orchestre, cette répétition est loin d'être une sinécure. De kermesse sans jeux populaires. Des courses semblables réjouissaient déjà les Gantois en 1700. Ici, il s'agit de viser juste. Si le bâton ne s'engage pas exactement dans le trou ménagé sous le baquet, le jouteur sera douché. Ce vieux coq, tué pour la circonstance et suspendu dans un panier, sert à la fois de but et d'enjeu. Il s'agit de lui abattre la tête d'un seul coup de sabre de bois et les yeux bandés. Le vainqueur en fera la soupe ce soir. Ha ha ha!
Quand les amoureux quittent les plaisirs de la kermesse, c'est bien signe que les noces sont proches. Que tout soit prêt pour ce beau jour. La cour balayée, les murs chaulés, la ferme revêtant ainsi une blanche toilette de mariée. Mais ce n'est pas tout d'inviter à un repas de noces. Il faudra recevoir convenablement les convives. Cultivez beaucoup de blé, plantez beaucoup de pommes de terre, élevez du beau bétail. Votre ferme, vos parents l'ont cultivée avant vous, et s'ils avaient été négligents, incapables ou paresseux, la terre serait moins bonne. Et vous-même, qui vous a planté, cultivé, nourri? Vos parents. Donc, soyez fécond comme la terre est féconde. Ayez beaucoup de gosses. Croyez-moi, c'est encore ce qu'il y a de plus heureux dans la vie. Des enfants qui poussent drus dans une ferme bien tenue. Certaines anciennes coutumes n'ont jamais été abandonnées. D'après les paysans, ce ruban coupé signifierait que désormais le marié sera reçu dans la maison paternelle et dans la famille de sa femme. Et le feu mis au vieux pantalon de l'époux voudrait dire que maintenant c'est elle qui portera les culottes. Mais il est probable que ces coutumes remontent au temps du paganisme et sont des symboles d'amour. Même en un jour de liesse et de festin, les caprices du temps doivent être surveillés. Signe de mauvais augure. L'orage menace et la moisson n'est pas entièrement rentrée.
Heureusement que l'esprit de bon voisinage règne encore chez les paysans. Quand l'un d'eux se trouve en difficulté, les autres se font un devoir absolu de l'aider. Le voisin qu'on est allé prévenir rentrera le blé. Il est grand temps. Déjà les hirondelles rasent terre, présage de pluie parce que le poids de l'humidité dans l'air fait voler très bas les moucherons dont les hirondelles se nourrissent. Marie est membre actif de la Société d'Harmonie. Il convient de lui donner la sérénade.
santé des mariés. Le crépuscule tombe lentement sur cette belle et joyeuse journée, mais quelle bonne fête faisant trêve aux rudes travaux de l'été. L'obscurité a envahi le ciel quand la fanfare se décide à quitter la ferme où les libations furent nombreuses. Maintenant que la nuit aux douces mains endorme et caresse les champs, nul ne dira jamais combien dans les villages. Il est tard à minuit. La moisson faite, le blé doit être battu, le grain séparé de la paille. Pour la rapidité, la machine l'emporte sur l'antique fléau à main. Cette paille servira de litière pour les bestiaux. La paille battue au fléau et non rompue liera les gerbes de la moisson prochaine. Fini les craintes d'orage couchant les blés, des pluies faisant germer le grain dans les épis. Le paysan est pressé de connaître le résultat de son travail et se réjouit lorsque la machine à battre remplit rapidement les sacs, car c'est là le signe que les épis sont bien chargés. Le bon grain doit être parfaitement sec. Il ne peut pas adhérer à la paume de la main lorsqu'on le laisse couler après l'avoir pressé.
Le grain doré, qui évoque tant d'aubes claires et de midi radieux, est mis en sac de 100 kilos exactement pesé. Mais quelle balance pèsera la somme de travail, de peine et de soucis qu'il représente également? Le grain quitte la ferme et portera la nourriture à ceux qui ne cultivent pas. Midi offre un moment de repos bien mérité à ses ouvriers saisonniers, embauchés pour la récolte de pommes de terre. Payés non à l'heure, mais bien par pièce de terre, ils travaillent de l'aube au soir, ne quittant pas le champ. Le pressentiment de l'hiver rassemble déjà les hirondelles. Bientôt, ces oiseaux amis des hommes s'envoleront vers l'azur méridional. Grandes exploitations, l'arrachage se fait à la machine. Comme cela paraît simple et aisé, on remue la terre, il en jaillit une fontaine de pommes de terre. Brûlés sur place, répandent leur mélancolique odeur d'encens dans les campagnes. Que la terre, en vêtements de poussière encore chaude, sommeille maintenant, comme certains êtres jeunes et forts, après une grande fatigue. Il est dur de s'arracher au sommeil avant l'aube, après le grand travail de la veille pour le grand travail de la journée nouvelle. Les saisonniers embauchés pour l'arrachage des betteraves se lèvent à 4 heures du matin. Leur chef se réveille le premier, puisqu'il a la responsabilité de son équipe.
le travail est pénible. Quelle gradation aussi dans le poids et la dimension du fruit récolté. Grains, pommes de terre, betteraves. Où sont le soleil et l'azur des moissons? Où est la douceur des vents encore tièdes de la récolte de pommes de terre? Les betteraves sucrières sont lourdes comme des fruits tropicaux, mais le vent pince, le brouillard transit, les mains s'engourdissent et souffrent parmi les feuillages que la pluie glace. L'effort vient non seulement des mains, mais des bras, des épaules, des reins surtout, tandis que la terre, transformée en boue gluante, entrave l'effort et rend le travail encore plus pénible. Souvent, le champ est à une heure de marche de la ferme. Pas question d'y rentrer pour le repas de midi. Un abri précaire permet de casser la croûte, mais il ne préserve certes pas du froid. Les plus dures ont une fin. Seule la pluie semble ne devoir jamais cesser de tomber. Elle accompagne encore les saisonniers sur le chemin de la ferme où un repas chaud les attend. Avant tout, quitter ses vêtements mouillés et lourds de boue, puis à table. Le repas se composera surtout de pommes de terre, mais quelle portion! Pourtant, on y joindra un peu de lard. On sent le besoin d'une nourriture abondante après une telle lutte avec la terre et la pluie. La femme fait le service, bien qu'elle ait travaillé toute la journée comme les hommes. Il faut que les vêtements soient secs pour demain. Bronchites et pneumonies guettent dans la pluie et la boue. On soigne les mains, ces admirables outils aptes à tout travail. Pour ce labeur dans la boue et l'eau glacée, on les enduit de graisse de chat. Sinon, gerçures et crevasses, ampoules et engelures les attaqueront. Les betteraves fourragères sont moins dures à arracher que les sucrières, car elles sont moins profondément enfoncées dans la terre. Femmes et enfants travaillent à en couper les collets. Ces
Ces racines garderont leur fraîcheur succulente pendant l'hiver jusqu'au reverdissement des prés. Toussaint est proche. Le bétail va bientôt quitter les prés mouillés pour la chaleur de l'étable. L'hivernage commence. Destinés aux céréales recevront dès maintenant leurs semences. Froment, orge ou seigle pousseront encore des racines avant l'engourdissement de l'hiver. Ainsi, la terre ne laisse tomber une récolte que pour élaborer la récolte prochaine. Ainsi, l'arbre rejette ses feuilles fanées parce que de nouveaux bourgeons se forment déjà à la place où la feuille se détache. Aux branches mortes ou rompues, les feuilles restent attachées. En elles, la force de renouvellement est tarie. Chez les hommes aussi, les feuilles mortes sont remplacées par de frais bourgeons. Mais les paysans n'oublient pas leurs défunts. Le jour des morts, les bougies, symboles de la foi et du souvenir, sont allumées sur les tombes. Si l'on va au cimetière pour les morts, on va en pèlerinage pour les vivants. À la ferme, il importe d'éviter la maladie aux bêtes comme aux gens. Le paysan n'a pas le temps d'être malade. Il n'y a pas d'intervalle où glisser les jours de repos dans la suite ininterrompue des mois et des saisons qui commandent les travaux. Comment labourer si le cheval meurt? Notre-Dame de Montaigu, donnez la santé aux bêtes, gardez-les de la fièvre. Dès que la Vierge miraculeuse est passée, on souffle les bougies car la bénédiction est dès lors accomplie. On les allumera à la ferme si les cultures sont menacées,
ou si la maladie attaque bêtes ou gens. La fermière a fortifié sa confiance, la voici prête une fois encore à affronter les mois d'hiver. L'aube de décembre émerge péniblement des nuits les plus longues de l'année. Pendant ces journées immobiles, sombres et souvent assez douces, l'humus et les arbres se laissent lentement pénétrer par l'apaisement des pluies. Y a-t-il encore un soleil et un azur, là, très haut, au-dessus des nuages? Le manque de lumière et de chaleur met un frein à la végétation. Les paysans réservent l'abattage des arbres pour ce moment où la sève sommeille. Il a fallu 50 années pour dresser dans le ciel ce puissant peuplier. C'est surtout aux fours à pain qu'on destine ces fagots. Ils sécheront pendant que les futures moissons sommeillent dans les champs. Dans l'hiver, les soins des fermiers se portent surtout vers l'étable et l'écurie. Les paysans aiment leurs chevaux, compagnons de leur dur labeur. Connaissant leurs habitudes et leurs manies, ils ne confieraient à personne le soin de les mener au maréchal ferrant. Les chevaux de labour, ne foulant guère que la terre molle, ne sont ferrés que des sabots de devant. L'adroit cordonnier qu'est le maréchal ferrant façonnera le soulier à la mesure du pied. Après avoir enlevé le fer, il rognera soigneusement la corne, qui pousse comme l'ongle chez l'homme, afin que le cheval repose bien d'aplomb. Est appliqué rouge à la corne, afin qu'il s'y adapte parfaitement. Le cheval ne souffre pas plus de la brûlure ni des clous avec lesquels on fixe le fer que nous ne souffrons quand nous nous coupons les ongles. Le foin, à
amassée au fenil dans la grande lumière de l'été, dégage un agréable parfum, frais et sec, dénotant sa bonne qualité. Il semble porter en lui la force lumineuse des prés au mois de juin, et en effet, il constitue pour le bétail un aliment de premier ordre. Tous friands de betteraves, cette racine juteuse, croquante, sucrée. Aussi, des quantités considérables ont-elles été mises dans des fosses aménagées à cet effet. Chaque fois qu'une nouvelle charretée y est prélevée, on recouvre avec de la paille la place entamée afin que les betteraves ne pourrissent ni ne gèlent. Il faut que les vaches continuent à donner du lait, les veaux à grandir, les cochons à prendre du poids. Pas de santé sans propreté. Chaque jour, la paille souillée sera remplacée par de la paille fraîche et le fumier mené au tas. Aussitôt que les vents plus doux et les pluies moins froides auront dégelé le sol, aussitôt que l'eau des neiges sera écoulée ou bue par la terre, le fumier, qui contient des sels nutritifs pour les plantes et rend la terre plus vivante et plus molle, sera enfoui dans le sol. Les semences, destinées au semis de printemps, s'entassent au grenier. On les remue, on les aère afin qu'elles ne moisissent, ne germent ou ne deviennent la proie des charançons. Les haricots que l'on sèmera en mai sont écossés et triés. Les paysannes trient les plants de pommes de terre. Les bons fermiers savent que la récolte dépend surtout de la qualité des plants. Hier soir, les gouttes attardées sonnaient encore dans les gouttières, mais la gelée survint pendant la nuit. Qui engourdit les hommes et les bêtes, agit aussi sur la végétation. Plus rien ne pousse. Lorsque l'eau ne peut plus circuler dans le sol ni dans les plantes, la vie est suspendue. Le froment semé en automne cesse de pousser et s'endort. Puisse la neige tomber bientôt, puisse la couche moelleuse préserver les champs des gelées trop fortes. Au solstice d'hiver, au moment où nous savons que le soleil commence à remonter et la lumière à renaître, l'enfant divin, lumière spirituelle, est honoré. La crèche sera belle pour la nuit de Noël.
au centre de l'engourdissement général, la ferme continue de vivre. Solidement, elle a entrepris la traversée de l'hiver afin d'atteindre la saison nouvelle avec son chargement de gens vaillants et d'animaux sains. Il n'est pas de vacances pour un paysan. Ni les cloches de Noël, ni les fêtes du Nouvel An ne le libèrent du labeur journalier. Le dimanche, les vieux prennent un peu de distraction. Ils ressemblent à l'hiver et sans doute plusieurs d'entre eux ne verront-ils plus beaucoup de printemps. Et voici donc tous ces vieux. L'un se sent déjà malade. Les autres jouissent encore de la bonne nourriture, eux qui en ont tant produite au cours de leur vie, mais tous savent que déjà ils penchent vers l'éternité. Dans notre pays est généralement assez fugace. Dès que viennent les vents d'ouest, le gel souverain s'éloigne. Quelque chose alors semble sourire dans le ciel. La neige fond, l'eau chante en mille ruisseaux réveillés et les blés d'hiver, libérés de leur couverture de neige, recommencent à respirer. Le père ne se remet pas. Lorsqu'un vieux paysan reste inactif auprès du feu, s'il frissonne au dégel au lieu de se réjouir des souffles annonciateurs du printemps, c'est que la maladie l'envahit irrésistiblement. Oserait-on affirmer qu'un joueur ne ponctue jamais d'un juron un coup malheureux? Une image naïvement enluminée dit pourtant « Dieu te regarde, ici on ne jure pas ». Thank you.
Avant de semer du nouveau blé, la moisson doit être engrangée. Ainsi en est-il de la vie dans une ferme. Sa remise en de jeunes mains vigoureuses se fait par la mort du père. Le paysan a donné à sa tâche tous les jours de sa vie et toutes les forces de son corps. Il a créé la vie autour de lui avec une ardeur inlassable. Du vieux paysan rejoint la terre qu'il a tant remuée. Ce qu'il lègue à son fils n'est pas un bien dont il n'aura qu'à jouir. Il a fallu des générations de cultivateurs opiniâtres, prévoyant 6 mois à l'avance le résultat de chaque geste pour fertiliser ses campagnes. C'est au fils maintenant de mettre en valeur l'inépuisable richesse de la terre. Si les joies du paysan sont simples, ses tristesses sont brèves. Il est dans l'ordre des choses que les vieux meurent et que les jeunes à leur tour empoignent le manche de la charrue. Les champs sont dégelés, la terre une fois de plus va être fécondée. Le paysan a autant que possible essayé de faire coïncider les naissances avec le renouveau. Dans les pâturages de printemps, les veaux et les poulains se nourriront d'herbes jeunes et savoureuses. En attendant, les vaches sont pleines, les juments sont gonflées de leurs fruits. Déjà, les pies et les mamelles sont prêts à donner un lait abondant et nourricier. Avant qu'aucun signe n'en soit visible, tout l'être devine l'approche du printemps. Même si les nuages lourds encombrent encore l'azur, même s'il fait encore froid, une force jeune s'empare de l'espace. La terre se réveille, la sève s'élance. Une joie soudaine et mystérieuse fait chanter le merle dans l'arbre où les bourgeons dorment encore. C'est le moment le plus émouvant de l'année. Le fermier est le premier à pressentir cet éveil et il se rend sur son champ de froment.
Les frêles racines auront-elles résisté aux attaques de l'hiver? La gelée n'a pu les détruire, elles sont souples, saines, prêtes à se nourrir de l'eau succulente livrée par la terre, tandis que les tiges poussées dès avant l'hiver se gorgeront de l'énergie solaire. Le printemps monte, le paysan a pris sa charrue, le paysan a semé, le paysan moissonnera.